Un fait de guerre, c'était une, une situation de guerre, c'est pas une situation de police. On n'avez pas affaire à des, des simples délinquants, c'était des, des, des fous dangereux. Ah là là, ça fait méga longtemps que j'ai pas commenté, ça fait plus d'une semaine donc ça va pas être évident. Bonjour tout le monde, c'est Hughes. Comment allez-vous? Moi ça va, euh, donc n'hésitez pas à me dire tout d'abord quand la vidéo commence. Ce que vous en avez pensé à la fin, voilà, n'hésitez pas à émettre votre critique dans les commentaires. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc c'est cool, ça donne envie de faire des vidéos. Si vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à faire votre remarque, qu'elle soit positive ou négative. Tant qu'elle est constructive, euh, ce sera positif pour moi, voilà. Bon, oui, je disais, ça fait longtemps que j'ai pas commenté, ça fait hum, plus d'une semaine, donc moi quand ça fait plus d'une semaine, je suis un peu perdu, c'est pas évident. Euh, ça s'apprend, hein, ça se travaille comme on dit. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur, euh, bah, comme vous savez, une nouvelle affaire criminelle. Et on va parler, je ne sais pas si vous connaissez, du gang de Roubaix. Voilà. Euh, c'est les premiers terroristes euh, français. Alors au début je voulais la faire en, en une partie. Je voulais la faire en une vidéo. Mais je me suis dit, tiens, euh, pourquoi pas faire ça On va la faire en deux parties. Parce que c'est vrai que d'habitude... D'habitude, euh, je ne la... bah, suis pas habitué à faire des vidéos en deux parties tout simplement. Donc ça va m'entraîner à en faire et en même temps comme c'est une histoire, un sujet assez euh, complexe on va dire, ça va vous permettre d'avoir tous les détails de l'affaire et en même temps d'avoir une vidéo assez courte. Deux vidéos assez courtes, enfin assez courtes, euh, deux vidéos d'une longueur raisonnable, voilà. Je vais commencer parce qu'il faut que vous compreniez bien les choses, c'est pas évident, c'est l'histoire euh, criminelle des premiers terroristes français qui s'est passé justement à Roubaix dans le nord de la France. Alors, on va en venir au gang d'abord, puisque c'est un gang extrêmement dangereux. Euh, et puis après, on parlera un petit peu de la riposte de la police qui n'a vraiment pas été. Euh, qui a été à la hauteur, mais la police a vraiment euh, eu du mal justement à, à. mettre la main dessus. Vous verrez justement s'il y a eu des morts, si ils ont mis la main dessus, etc. etc. parce que vous savez que les terroristes, on n'arrive pas forcément à les. à tous les avoir. Alors. Le gang, il s'est initialement formé en 1995, donc en Bosnie, dans la ville de Zenica. Okay donc, euh, parmi les personnes qui soignaient les blessés musulmans durant la guerre de Bosnie, se trouvait un Français de 26 ans. Il se nommait Christophe Kaz. Donc, il a à retenir, puisque ça va être le chef euh, du gang de Roubaix justement. Il s'était rendu en Bosnie afin de venir en aide à la population et à l'armée. En fait, ça avait un but, euh, ça avait un but plutôt un but humanitaire. Et durant son séjour, justement, il va se convertir à l'islam. Et plus tard, lors de son retour à Roubaix, il deviendra le chef du futur gang, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a Lionel Dumont aussi, qui est un personnage à souligner. Donc lui, ce sera plutôt le, le sous-chef. Il y en a qui le surnomment le Shtidallah. Surnomme donc c'est le bras droit de, Christopher, euh, de Christophe Cass, c'est plutôt euh, Lionel Dumont, c'est plutôt euh, le spécialiste euh, de l'armement. C'est un Français, il a 24 ans, et il va se tourner vers la religion lui aussi, avant de réellement se convertir à l'islam sous l'influence de ses amis qui venaient d'Afrique du Nord. faut savoir que Lionel Dumont, euh, il voulait se convertir dans une religion, il savait pas laquelle, et il a choisi l'islam parce qu'il avait des amis euh, qui venaient d'Afrique du Nord, mais il aurait pu très bien se convertir. Euh, à d'autres religions comme la religion catholique ou la religion bouddhiste franchement il était vraiment euh, tout ce qu'il voulait lui c'était se convertir et il va choisir l'islam. Alors il va gagner la Bosnie lui aussi pour des raisons humanitaires avant de tomber dans l'intégrisme. Donc l'intégrisme vous savez que c'est une vision assez erronée de l'islam. C'est un peu un, un une façon de pratiquer l'islam de manière extrémiste. Après, je m'y connais pas trop, hein. moi je suis pas trop religion, etc. Mais voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre grâce à cette histoire. Alors, à la fin de la guerre en Bosnie, les deux Français vont être contraints de quitter le pays, comme tous les autres mercenaires étrangers, et décidèrent donc de rentrer en France. À ce moment-là, c'est limite, ils ont été chassés du pays, puisque la guerre était terminée. Et la Bosnie-Herzégovine. N'avaient plus vraiment euh, besoin des mercenaires. Ils les ont fait combattre pour au final euh, les, les jeter à la, fin, euh, à la fin de la guerre. Bon, Christophe Kaz lui, était médecin. Alors, une fois de retour dans le nord, ils vont décider de continuer d'aider les jeunes musulmans de Bosnie en récoltant des fonds qu'ils leur feraient parvenir. Voilà, c'était ça. Alors, leur objectif premier, c'était d'aider les jeunes musulmans de Bosnie. Mais justement, pour obtenir ces fonds, ils vont devenir terroristes. Ils vont se tourner vers des activités criminelles. Alors, parmi les membres du gang de Roubaix, il faut savoir qu'ils sont 10 en tout. C'est pour ça que ça fait euh, bah, beaucoup de terroristes. 10 euh, terroristes comme ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, il y a, je vais vous dire leurs noms à tous. Alors, Mouloud Bouguelan, qui était en faculté de mathématiques. Omar Zemiri. Osin Bendawi, Sédic Ben Dawi. Sedik Ben Rachid Swimdi, Sad El Ayar, Nuril Altikenyak et Amar Djouina. Alors, vous pouvez voir que c'est des noms assez bizarres, c'est des noms à consonance étrangère, puisque c'était pour la plupart des immigrés algériens. C'est vrai qu'il y a des noms qui sont pas faciles à prononcer, Sedik Benbalouli. Voilà, c'est tous des noms issus de l'immigration, et ils avaient tous, ça c'est par contre, il faut le préciser. Des contacts avec euh, plusieurs cellules terroristes et ils étaient en relation avec un terroriste algérien extrêmement connu et extrêmement dangereux. Alors, toutes les attaques du gang de Roubaix ont eu lieu en 1996. Le 20 janvier, trois des membres utilisant une BMW volée vont braquer un magasin de Watrelos et voler euh, 10 000 euros en liquide. Ils ont quand même volé 10 000 euros, ça fait beaucoup, hein, je ne sais pas si vous si vous rendez compte. Bon, pour un braquage, ce n'est pas non plus énorme, mais 10 000 euros, c'est déjà beaucoup. 7 jours plus tard, justement, ils vont attaquer une deuxième fois, toujours à Roubaix. Hein. Cette fois-ci, 4 ou 5 individus vont dérober une Audi sous la menace d'une arme. Donc, c'est un carjacking. Et ils vont être poursuivis par deux policiers. S'en suivra, on va dire, une course-poursuite assez folle dans les rues de Roubaix, à plus de 100 km heure. Les auteurs du vol vont finalement arrêter leur véhicule et tirer au pistolet mitrailleur sur la police. À ce moment-là, ils sont armés jusqu'aux dents. Hein, c'est pour vous dire, euh, les policiers, ils ont... Enfin, les policiers, ils peuvent pas faire grand-chose. Ils ont des pistolets six coups, quoi. C'est eux, les... les terroristes. Ils ont des AK-47. Donc, je sais pas ce que tu peux faire face à des AK-47. Effectivement, on peut voir que là, c'est pas des armes de délinquants. Là, c'est vraiment des armes de guerre. Donc, oui, c'est des terroristes. Les attaques reprendront le 3 février. Le gang décide de braquer un nouveau magasin, donc le Aldi de l'Aume, avec des masques de carnaval. Les auteurs dérobèrent 20 000 francs. Pour l'époque, vous savez que c'était des francs. Donc 20 000 francs, c'est à peu près équivalent à 3 000 euros. Et là, à ce moment-là, ils vont être déçus parce qu'ils n'ont pas pris assez d'argent. Et ils vont tenter un nouveau braquage à Aubourdin sur un magasin Aldi, mais furent pris en fuite par la police. Ils sont à plusieurs fois pris en fuite par la police et à chaque fois ils vont réussir à s'échapper. Donc vous voyez qu'il y a extrêmement, il y a extrêmement d'organisation et ils sont plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt dangereux effectivement et plutôt agressifs. Voilà. Le lendemain ils vont attaquer un nouveau magasin. Le Lidl de Fâche tue Ménil en portant 3000 euros le même jour. Le magasin de croix avec l'intention de tuer des membres du personnel. Cette fois-ci, il y a de nombreuses balles qui vont être, euh, qui vont être tirées, mais à chaque fois, ils rataient leur cible. Donc, on peut voir que à chaque fois, tout le temps, dans toute leur attaque, dans tout leur braquage, il y a l'intention de tuer. Mais heureusement, euh, les membres du personnel, les, euh, les gens du magasin qui faisaient leur, leur achat ne vont pas mourir. Heureusement, heureusement. Après, ils vont prendre la fuite au bord d'une Renault 25 qui va être conduite, euh, conduite par Lionel Dumont, mais poursuivie une nouvelle fois par la police, hein, encore, et ils vont avoir un accident. Les policiers, justement, qui vont rapidement arriver sur les lieux, vont être arrosés de balles. L'un des auteurs utilisait un fusil d'assaut de type Kalachnikov venant de Bosnie. Les gangsters tentèrent alors de s'emparer par la force d'une Mercedes qui passait par là. Le conducteur pétrifié, ne s'exécutant pas assez vite, fut tué de sept balles dans la tête tirées à bout portant. Euh, là, faut vraiment imaginer la violence, quoi. Sept balles euh, dans la tête tirées à bout portant, faut vraiment, euh, c'est vraiment un acharnement. Le gang venait de faire son premier mort à ce, à ce moment-là. Finalement, les braqueurs vont réussir à prendre la fuite, encore une fois, à bord d'une Peugeot 205 dérobée, sous la menace d'une arme. Après ces événements dramatiques, le gang resta tranquille pendant un mois. Kaz et Dumont, les deux chefs, en profitèrent pour se rendre en Bosnie afin de se procurer de nouvelles armes de guerre et un lance-roquettes. Leur but, en fait, c'était de s'attaquer à un fourgon blindé de Lers, qui est une ville euh, près de Lille, afin d'obtenir un butin plus conséquent que les précédents. Le 25 mars, de retour en France, ils vont s'attaquer effectivement à un fourgon de la compagnie Brinks, sur le parking d'un magasin Auchan. Ils vont même pas hésiter à utiliser des armes de destruction malgré la présence des passants. Le fourgon blindé va être sévèrement atteint, hein, puisque c'est quand même euh, Ils utilisaient des lance-roquettes, hein, des RPG 7. Et il va être percé de près de 17 balles. Le conducteur ne fut pas tué, encore une fois. Et incapables d'accéder à l'intérieur du véhicule, les gangsters vont devoir prendre la fuite sans butin. Le 28 mars, deux jours avant la réunion prévue des ministres du G7. Le G7, je pense que vous savez, c'est la réunion des sept plus grandes nations du monde, les sept nations les plus riches, où on discute des enjeux économiques, etc., etc., qui était prévue à Lille, justement. Lille allait devenir le centre du monde en l'espace de quelques jours. Le gang va faire exploser une voiture devant le commissariat même de Lille, occasionnant des dégâts qui auraient pu être désastreux. De moment là, ils ont évité la catastrophe, on va dire. Les attaques devenaient de plus en plus violentes. La police avait multiplié les recherches. Une planque du gang fut localisée à Roubaix, au 59 de la rue Henri Carrette, dans la maison d'Omar Zemiri. A la veille du G7, l'unité d'élite de la police nationale allait intervenir. L'unité d'élite de la police nationale, je pense que vous savez ce que c'est. C'est la branche la plus armée de la police de France, c'est le raid. Et il faut savoir que la branche euh, la plus armée de la gendarmerie, c'est le GIGN. C'est très rare de faire appel au raid en France, c'est souvent pour des justement des, des, des attentats terroristes. Et là, c'était l'une première, des premières fois qu'on faisait appel au raid. Et le 29 mars 1996, à 6h15 du matin à Roubaix, les hommes du raid se préparent à donner l'assaut. Quatre hommes se trouvent à l'intérieur d'une maison, tous font partie du gang de Roubaix qui terrorise la ville depuis, plus, depuis plusieurs mois, et les membres du raid sont bien décidés à en finir, surtout avant l'organisation du G7. Mais vous allez voir dans cette deuxième partie que tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, donc euh, on s'arrête là, on s'arrête au moment où le raid est devant la planque de 4 membres du gang. Vous allez voir qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Ils sont 10 en tout dans le gang. Et là, il n'y en a toujours pas un seul qui a été euh, arrêté. Plusieurs ont été localisés. La police va faire de nombreuses découvertes. Je vous laisse, je vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour la partie numéro 2. J'espère que vous aurez aimé euh, pour le moment la partie numéro 1. N'hésitez pas à laisser votre commentaire sympathique. Stay Hughes. Ciao tout le monde.